comme ça fait du bien de me retrouver au niveau de cette formation Ego Vie. J'espère que vous portez bien, moi je vais très bien. Je suis Perla Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Je voulais vous parler un peu de la start-up Orason. Orason, c'est une start-up qui est située à Abidjan, voilà, plus précisément en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, qui est spécialisée dans la conception des logiciels de gestion, voilà, et également dans la formation, surtout au niveau de la formation en présentiel, c'est-à-dire on a un local, on forme tous ceux qui désirent être formés. Maintenant, après la formation, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, ont la possibilité d'être des collaborateurs. Chez nous, ici, on parle des collaborateurs, des personnes que, après la formation, on peut travailler sur des projets ensemble qui sont à titre commerciaux. Voilà, ce sont des projets à titre commerciaux. On peut essayer de payer la personne. Voilà. Donc, c'est comme si c'est un module d'emploi que nous sommes de mettre en place ici pour essayer d'avoir des personnes pour les permettre ici de pouvoir se former en même temps et de pouvoir travailler. Ok. En tout cas, on a un partenariat avec plein d'entreprises qui nous sollicitent afin de réaliser leur logiciel. Encore les gars, bienvenue sur EgoVie. Voilà. On s'était arrêté juste au niveau de cette toute petite partie-là qui était au niveau de la partie approvisionnement. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est relativement simple. On va simplement envoyer, on va simplement dire, au cas où, si c'est approvisionnement, tu m'affiches entrée, si c'est décaissement, tu m'affiches sortie. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça tranquillement. Vraiment, excusez-moi pour le bruit. J'essaie de faire tant mieux que mal avec le peu de moyens que la startup Orason a pour essayer de faire la formation. On est obligé de faire avec. Donc, au niveau de la sélection, c'est là qu'on va essayer de faire. On va créer une procédure. Qu'est-ce qu'une procédure? Une procédure, c'est une fonction. Voilà. Une fonction qui permet d'exécuter la même tâche plusieurs fois. Voilà, d'exécuter la même tâche plusieurs fois. On suppose que tu veux avoir un système qui te permet de faire la somme des deux nombres. Mais si tu te mets à calculer la somme des deux nombres, c'est-à-dire tu fais 1 plus 1, ça va donner 2. Si tu as besoin de ces mêmes fonctions-là, de ce même système-là, pour pouvoir faire. Ce sont genre de procédures que nous avons essayé de créer. Voilà. Donc maintenant, pour l'instant, on ne va pas créer une procédure. On ne va pas créer une procédure. On va travailler simplement. Et puis après, on va créer cette procédure. Ça va nous permettre de mieux comprendre l'histoire de la procédure. Je répète encore, une procédure, c'est une fonction simplement. Dans les autres langages de programmation, on ne parle pas de procédure, mais on parle plutôt d'utilisation des fonctions. Voilà. Exemple, quand tu ouvres une fonction, c'est une procédure, mais intégrée dans l'une d'elles qui existe déjà. Voilà. Et ici, on va dire si notre combo. Voilà notre combo nature que nous avons créé égale à approvisionnement en majuscule, bien sûr, c'est-à-dire si vous avez écrit en majuscule, mettez en majuscule, on tape entrée. Sinon, on va regarder bien, je vais regarder, est-ce que c'est ça que j'ai écrit au niveau de approvisionnement. Vous écrivez textuellement le contenu que vous avez écrit parce que c'est une combo par programmation. Donc, je vais prendre approvisionnement. Vous voyez, placer à l'intérieur de ici mon code que j'ai mis. Vous n'êtes pas que ça me donne un résultat que je ne veux pas. Vous voyez, non, il n'y a pas d'espace. Voilà. Si ça égale approvisionnement, alors notre saisie entrée. Regardez, j'ai mal écrit entrée. J'ai écrit entrée. Il y a un R que j'ai omis. Voilà, je sais qu'il y a d'autres qui ont vu ça depuis longtemps. Voilà. Voyons voir si c'était rectifié ici, entrée ici. Donc, je reviens dans mon code que j'étais. Si c'est égal à entrée, si c'est approvisionnement, donc entrée serait. On va voir entrée, c'est-à-dire on va voir entrée. Donc, oui, tu nous fais une procédure qu'on appelle visible. Donc, on va aller point, 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 visible. Voilà. Deux points, vous mettez deux points visibles. Égal à vrai. Voilà, c'est-à-dire on va voir entrée. Maintenant, c'est que saisie, sortie, lui, on va le cacher. Donc, un point visible égal à faux. Lui, on va le cacher.
Et on va faire le contraire pour ici, c'est-à-dire dans le cadre dans, ici, c'est plutôt entrée qu'extrait égal à. On va cacher entrée, c'est-à-dire entrée, point, 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 visible, égal à faux, on le cache. Et au niveau de saisie, saisie, visible, saisie, entrée, point, point, visible, lui, dans ce cas-là, on va mettre égal à vrai. Voilà. Lorsqu'on fait notre sélection. Égal à vrai. Ok. Voici qu'on va mettre top. Voilà. Donc, lorsqu'on lance ici, on clique ici. Ok. Donc, vous voyez que ici, c'est lorsqu'on va sélectionner, vous voyez que ça fait ici, sortie. Ici, de, non, approvisionnement. C'est plutôt sorti, non, je me suis trompé un peu. Ah oui, c'est l'espace que j'ai conservé lorsque j'ai écrit. Vous voyez, par exemple, là que j'ai dit de faire un copier-coller. Parce que en copiant, il y a de l'espace qui s'est appliqué ici. Donc, je vais copier mon test qui est là. Voilà. Je vais copier mon test qui est là sans d'espace. Parce que de l'autre côté, il y a de l'espace qui est venu s'écriffer dedans. Donc je copie comme ça, je viens au niveau d'ici, ok, je viens au niveau d'ici, vous voyez, il y a de l'espace qui est là, il faudra que je fasse l'espace, donc je veux, je colle directement ici, mais j'ai effacé l'espace, si vous ne faites pas, ça va marcher, parce que de toutes les façons, en informatique, l'espace est une information, lorsque tu écris ton mot de passe et puis tu mets de l'espace, ça, c'est toujours l'information, donc ici, si je clique ici, approvisionnement, c'est toujours le même cas. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Donc, au niveau de mon code, voyons voir qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de mon code. Si la nature d'approvisionnement est égale à approvisionnement, alors entrée. Donc, au niveau du code, comme je le disais, je vais faire un copier et puis aller voir. Cette fois-ci, je vais placer moi-même. J'essaie de voir parce que, apparemment, la valeur qu'il envoie est nulle. Bon, vous cochez, hein, sinon vous envoyez pas, vous envoyez une valeur nulle. Vous cochez ici. Il va vous envoyer une valeur nulle. Dans ce cas-là, ok, maintenant au niveau d'ici, je colle et je refais mon test. Entrée, sortie. Voilà. Donc, approvisionnement, c'est en entrée. Ici, sont sortis. Vous voyez un peu. Donc, d'abord, on a ce système-là là-bas qui fonctionne. Au niveau d'ici, au niveau des ancrages, ils ne sont pas très respectés. Je vais les envoyer de l'autre côté parce que ça n'a pas de sens de les envoyer de l'autre côté. Voilà, je vais les envoyer comme ça. Ok. Ici, un peu, ce sont un peu long. C'est bon. Au niveau de la hauteur, ok, ça c'est fermé, c'est bon. Maintenant, comme je le disais, ça c'est bon, il y a plus de problèmes au niveau d'ici. Maintenant, lorsque j'ouvre ma fenêtre, j'aimerais que logiquement que ce soit de l'entrée d'argent, parce qu'une entreprise veut faire d'entrée d'argent, donc par défaut, moi j'aimerais ici cacher ici, c'est-à-dire entrer, j'aimerais que lui là il se cache. Ok, dans ce cas là, c'est relativement simple. Vous pouvez faire simplement, vous mettez le code au niveau du... Vous répétez ce même code-là. Voilà, vous recopiez ici ce même code-là. Et puis, c'est simple. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que moi, je peux faire? Je peux simplement... C'est-à-dire, je copie ça. Puis, je m'en vais, mais... C'est-à-dire, à l'entrée, on le voit. À la sortie, il se cache. C'est-à-dire, je copie ça comme ça. Je copie ça comme ça. Fin d'initialisation, c'est-à-dire monter ici. Lorsque je clique ici, vous voyez que ça se présente ici comme ça à l'entrée. Vous voyez que c'est entré ici. Maintenant, lorsque l'utilisateur enseigne ici, vous voyez que ça fait comme ça. Ok, voilà. On résout le problème, mais vous vous rendez compte que c'est une partie de mon code que je l'ai copié ici. C'est une partie de mon code.
Voilà. Donc, pour cela, moi, je peux éviter cette histoire-là. Je peux utiliser une procédure. Je vais mettre ça dans une fonction. Donc, je coupe ça. J'enlève ça totalement ici. Je coupe. Je ne fasse pas, mais je coupe. J'ai écrit H nature. J'appelle ça H nature caisse. Voilà. Pour dire, c'est la nature de ma caisse ici que je vais préciser. C'est ça l'entrée. Je fais CTRL S. J'enregistre. Je mets en parenthèse toujours une fonction. Toujours une parenthèse. F de X en parenthèse. Une fonction, c'est toujours parenthèse. Ensuite, vous venez ici, clic droit, vous allez voir, ils vont dire créer une procédure. Ça va plus rapidement. Il y a une autre manière de faire. Moi, je préfère passer comme ça. Donc, ici, ça, c'est bon. La procédure a été créée. C'est comme si c'est le même code que j'ai recopié ici. C'est le même code que j'ai recopié ici. Si je vais avoir ça à ma procédure, je fais clic droit, je m'en vais dans aller au traitement. Je peux modifier ma procédure ici comme je veux. OK? Je peux modifier ma procédure ici comme je veux. Maintenant, comme je l'ai stipulé ici, je peux, ma procédure peut prendre un paramètre. Hein. Voilà, ma procédure peut prendre des paramètres. OK? Ma procédure a la possibilité de prendre des paramètres. Ici, ma procédure, je n'ai pas les paramètres ici. Maintenant, dans ma procédure, je peux impliquer encore une autre procédure à l'intérieur d'une procédure. C'est-à-dire, je peux appliquer une procédure à l'intérieur d'une procédure. Ça peut me permettre de faire ça. Je peux utiliser une procédure à l'intérieur d'une procédure. C'est-à-dire, ça, mettre dans une procédure et l'autre aussi mettre dans une procédure. Voilà. Donc, ça a la possibilité de faire comme ça. Voilà. Si on a créé la procédure, mais ça ne résout pas toujours nos problèmes. Ok, ça ne résout pas nos problèmes. Ça ne résout pas nos problèmes. Ok? C'est bon? Voilà. On va continuer. Je vais copier, placer là pour l'instant. Voilà, pouvoir cacher. C'est tout simple. Maintenant, si vous voulez, je peux mettre dans une procédure, puis après, on va enlever ça dedans. Voilà, on va mettre entrée. H, nature, entrée. Voilà, on va mettre. Apprendre des procédures, on attend d'apprendre à utiliser les procédures ici. Nature, entrée. Mais après, on va utiliser une procédure paramétrée. Nature, entrée. Voilà, comme ça. J'appuie 5 entre parenthèses. Voilà, créer une procédure, puis je la crée ici. Voilà. Cette même procédure que j'ai créée ici, je peux venir la placer à l'intérieur d'ici. À l'intérieur de cette procédure-là. C'est-à-dire ici, je viens au traitement. J'espère que je ne suis pas trop rapide avec vous. Si vous voyez que ici, je peux la placer ici. Ça arrive en même temps. Si je place cette procédure et après cette procédure ici, vous voyez que c'est comme si c'est le contenu là que j'ai placé ici. Ça arrive en même. Donc cette procédure-là est imbriquée à l'intérieur d'une procédure. Voilà. Donc je clique comme ça. Tac. Tac. Vous voyez qu'ici elle a été cachée, mais si je viens ici, vous voyez que c'est même approvisionnement, décaissement, c'est même truc qui s'affiche ici. Donc vous voyez que c'est intéressant d'utiliser la procédure. Ça permet ici aux développeurs d'avoir un code lisible et puis vraiment intéressant. Et il y a des procédures qui sont paramétrées, comme il y a des procédures non paramétrées. Mais je pense bien qu'on aura le temps de voir un peu ça, car c'est l'objectif même fort de ce qu'on veut faire. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'option d'ajout des informations. Voilà, on va faire l'option d'ajout des informations. Moi, c'est ce qui m'intéresse ici. Je vais faire une liaison ici, mais tout le reste, je ne vais pas lier parce que je n'aime pas utiliser des liaisons pour envoyer les informations dans la base de données. Donc, je vais fermer ici. D'abord, je vais venir lier ici. Pourquoi lui, je vais le lier? Pour pouvoir faire une saisie par assistante. Voilà, parce que je n'ai pas utilisé de combo ici. Je n'ai pas utilisé une liaison de l'autre côté. Donc, je vais lier à désignation. Et au niveau d'ici, je vais venir dans le détail. Je vais dire assister. Voilà. Non pas saisir obligé, mais saisir, assister sur liaison de fichiers. Ça me permet de voir si l'élément se trouve à l'intérieur, il va me permettre de faire, c'est-à-dire si j'ai déjà enregistré un ticket, achat de carburant, tu vois qu'achat de carburant va commencer à sortir. Voilà. Donc ici, c'est bon. Maintenant, j'aimerais que lorsque j'ouvre directement, mon élément qui est là, ceux-là, ils sont un peu bizarres. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Oui, je vais mettre comme ça. Plutôt comme ça, plutôt tiré. Voilà. Lui également, je vais le décaler comme ça. Pas trop tiré, mais petit quand même. Voilà, lui ici. Tout ça là pour revenir un peu sur les options d'ancrage. Hein. On les appelle les ancrages pour ceux qui connaissent pas le nom. On s'appelle les ancrages. Donc il vient comme ça, maintenant il est bon, il n'est plus rouge. Ok. Au niveau d'ici, la date, moi j'aimerais que. Voilà, j'aimerais que lorsque je clique ici, lorsque je rentre, il me donne par défaut ma date. Par défaut ici. Donc, à l'entrée ici, je vais dire à l'entrée,
Lorsque tu entres ici, saisis la date, regarde la date système. Voilà, regarde la date du système. Donc, entre directement, il va attribuer comme la date égale la date du système. Donc, lorsque je clique ici, vous voyez que ça me donne la date du système. Voilà, ça me donne la date du système. Puis, il y a la possibilité de modifier cette date-là pour voir même n'importe quelle date que je désire appliquer. Donc, ici, ça me donne la date du système. C'est bon? OK. Si le contenu est bon, ici, je peux mettre dans une fonction, si vous voulez, on peut mettre dans une fonction qu'on appelle, on peut appeler ça affiche date. Mais je pense bien que, comme étant donné que c'est une seule information, on n'a pas besoin de mettre ça dans une fonction. Mais si c'est moi, je vais mettre dans une fonction parce que Para adore les fonctions. Voilà, j'adore les fonctions, je les adore comme ça. Au niveau d'ici, je vais dire, lorsque je clique sur le bouton valider, je vais vérifier certaines contraintes d'abord pour voir s'ils sont renseignés. S'il y a d'autres informations qui ne sont pas renseignées, ce ne serait pas important parce que je ne peux pas ici envoyer directement valider quelque chose qui n'a pas été renseigné, tel que exemple, la nature. La nature doit être précisée. Ensuite, la désignation doit être précisée. La description, ça n'est pas précisé, ce n'est pas un problème. Le solde doit être précisé. Et sans oublier, soit c'est entré, mais c'est sorti. Voilà. Donc, il dit si saisi, pas saisi, même c'est plutôt le combo. Pas combo, nature égale vite. Sinon, voilà. Logiquement, tu peux mettre un truc en bas. Moi, je préfère faire une condition imbriquée. Voilà, c'est-à-dire une condition imbriquée, ça permet d'avoir un truc esthétique. Et puis, moi, ça me plaît comme ça. Voilà, une condition imbriquée. Donc, il va dire ici, ma combo nature et vite. Donc, je vais dire, il faut reprendre l'utilisateur à saisir dans la combo. Voilà, simplement ici. Donc, je vais faire un copier-coller. Et je vais coller à l'intérieur de sinon. C'est-à-dire, dans le cas contraire, tout était renseigné correctement. Et je vais venir vérifier. Deuxième élément qui est indispensable ici, c'est plutôt saisir désignation. Voilà, désignation. Il faut désigner. Il faut dire c'est quoi. Si tu ne désignes pas, ça n'a pas de sens. Saisir désignation. Ça, c'est la description qui est sortie. Désignation. Ensuite, on va vérifier la date. C'est important de vérifier la date. Voilà, on doit vérifier la date. C'est important. On doit savoir à quel moment c'était rentré. Pour pouvoir faire nos comptabilités, on doit faire les comptes. Voilà, lorsqu'on veut faire la compte, les comptes plutôt, les comptes, essayer de voir quels sont les endroits où on a dépensé plus. Maintenant, on va venir au niveau d'ici. On va pas vérifier au niveau de également saisie au métrique. Non, lui, saisie et puis saisie, je ne sais pas que disent, mais je vais dire simplement au niveau de entrée puis sortie. On peut pas venir vérifier, on peut pas mettre si, parce que les deux. C'est l'un ou l'autre. Ça peut pas être les deux à la fois. C'est l'un ou l'autre. OK. C'est bon? C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire ça peut être les deux. Voilà. Donc, on va vérifier si notre combo, toujours comme d'habitude, si notre combo, c'est-à-dire notre combo égal approvisionnement, visionnement, voilà. J'espère que j'écris bien. Sinon, voilà, si c'est approvisionnement, c'est plutôt celui d'ici qu'on va vérifier. Si c'est approvisionnement, c'est plutôt celui de saisir. Si c'est approvisionnement, c'est plutôt en entrée, on va vérifier. Voilà, c'est en entrée, on va vérifier. Voilà, pardon, si ça, je dis pardon. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Saisir. Entrée. C'est entrée, on va vérifier. Par contre, c'est décaissement, mon cher. Saisie. Entrée. Voilà. Maintenant, par contre, si c'est le contraire, c'est-à-dire c'est là, c'est plutôt notre saisie. Ou plutôt saisie. Sortie. Qu'on va vérifier. Saisie. Sortie. Qu'on va vérifier ici. Voilà. Donc, il pense bien que. J'ai mal copié. Voilà, c'est plutôt ici. Voilà, je vais mettre un commentaire ici pour dire ici, ça c'est décaissement. Décaissement. Couche de point. Sortie. En caisse. En caisse. Voilà. C'est que j'ai omis.
du questionnement. Ici, je vais mettre approvisionnement. Tous les petits erreurs. Approvisionnement. Deux points. Entrée en caisse. Voilà. Ça me permet au moins d'avoir une idée globale sur où on est. Ici, il n'est pas trop, idéal. Ici, lui, il est ici, lui, il est bon. Là, c'est bon. Sinon, j'ai l'impression que si, sinon, fin. Les trois sont dit, il y a un élément de trop qui existe. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Il y a un élément de trop qui existe. Si date. Ah oui, lui, il doit être ici. Voilà. Et lui, il doit être là. Lui, il doit être là. Lui, il doit être là. Voilà. C'est bon. Ok, donc ici c'est la nature. Ici la nature, je vais aller vérifier est-ce que c'est le mot exact que j'ai pris, parce que cette histoire là tatati tatata, je vais aller dans. Oh non, j'ai fait un truc là. Voilà, donc j'ai profité pour voir si c'est corrigé. Ok, donc ça c'est bon. Donc je viens ici, je clique ici comme ça. Vous voyez ici, je fais approvisionnement. Ici, par exemple, approvisionnement. On suppose que c'est le net qu'on va rentrer en caisse. Voilà, le net du mois. On suppose que c'est le net du mois qu'on va rentrer en caisse qui a une valeur de 1 million. Voilà, donc je suppose que c'est 1 million. J'ai mis 5 000 euros, mais c'est plutôt 1 million. Donc la date ici, on va valider ici. Dans ce cas, tout est correct, hein, donc il n'y a rien à préciser ici. Voilà, de toute façon, sur l'entrée en caisse, maintenant on clique ici. Vous voyez que ça se place ici. Si on fait ici, vous voyez que ici et ici, ici est toujours enregistré. Donc, si c'est l'un ou l'autre, il faudra qu'on vide. C'est-à-dire que tu es ici, on te ferme, maintenant si tu es ici, on te vide. Il faudra pas que, après l'enregistrement, après lorsqu'on a enregistré, ça soit, non, c'est l'un ou l'autre, ça ne doit pas être les deux à la fois. Dans ce cas, si tu laisses, il va envoyer les deux dans la base donnée, ce ne serait pas idéal. Donc, on vient au niveau de notre procédure ici que nous avons créé ici. Vous voyez que voici l'avantage d'avoir créé notre procédure ici. Dans ce cas-là, lui qui est ici, lui qui est faux ici, c'est lui on met égal à 0. Voilà. Celui qui est faux, on va le mettre les vides, c'est-à-dire on met il est égal à espace vide, comme ça. Voilà. Dans ce cas, on le met en espace vide. Donc, je reviens au niveau d'ici, ma caisse. Ici, l'élément qui est là, ça c'est nature. Je vais copier ça pour que. Bon, je ne vais pas copier, mais je vais appeler ça H nature. Là-dessus, sorti. Voilà, je vais créer une procédure pour mon élément dans une procédure en même temps. Et puis au niveau du savant de faire la procédure, je vais profiter pour dire mon cher, toi tu es égal à faux là. Ouais. Qui est égal à faux? Dans le cas, celui qui est égal à faux, c'est lui qu'on doit vider. C'est plutôt sorti, entrée. Voilà, ici. Donc on va copier les trois qui sont là. Pourquoi? Parce que. On va créer la procédure d'abord, je vais copier pour vous expliquer. Ici, lui n'existe pas, on le cache. Tout le contenu qui serait dedans, il faudrait qu'on le fasse. Voilà, si vous le cachez, c'est que le contenu qui est dedans, vous devez le effacer. C'est comme ça. Je ne fais pas comme ça. Ça va envoyer une valeur que vous avez déjà enregistrée, l'utilisateur, on sait une valeur, il s'est trompé. Après, il a mis des questionnements en rentrant, en saisissant, il a mis approvisionnement, en saisissant, il s'est rendu compte que, ah, c'est pas approvisionnement, c'est des questionnements. Il vient, il change ici. Vous voyez que l'élément serait toujours visible, serait toujours à l'intérieur, serait toujours saisi.
Mais si vous changez, automatiquement, il a été vidé. Il a été vidé dans ce cas-là. Ça vous permet ainsi d'avoir une organisation, bien un truc, et puis au niveau du codage, vous n'allez pas vous tromper. Vous voyez qu'il y a plein de petits systèmes de contrôle ici. Waouh, la vidéo a fait plus de 25 minutes, je n'ai pas plus le temps de vérifier le contenu de la vidéo. Donc, on se retrouve au niveau de la première partie. On a pris, après, à créer notre première procédure, on a fait ici un peu quelques notions ici. Donc, surtout pour le niveau de la prochaine vidéo, Web et Corona, comme je le dis toujours en langue d'Imini, qui veut dire on apprend. Parce que je suppose que vous allez suivre cette formation. Web et Corona, on apprend. Je vous aime, je suis par la Snap. Ciao, ciao.